vite, 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 vite. Oh, maman, maman. Oh, quoi? Vas-y, escalade, je t'en supplie. Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alien Isolation. Et je vais voir si je me souviens toujours de comment on y joue. Oui, parce que j'ai pris une pause de 2 semaines où j'avais fait des vidéos d'avance, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas allumé ma play. Et du coup, je me demande si je vais savoir comment on rejoue. J'ai même dû regarder d'anciennes vidéos pour savoir un petit peu où j'en étais. Mais bon, je voulais aussi vous remercier de vive voix, puisque vous avez été nombreux et nombreuses à m'adresser vos félicitations pour mon mariage. Oui, parce que si j'ai pris 2 semaines de vacances, c'est parce que je me suis mariée. Merci beaucoup à vous pour tous vos gentils messages, et je voulais vous le souhaiter de vive voix. Mais bon, allez, on a assez parlé, on va se retrouver tout de suite en jeu. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser mon lien créateur ou mon QR code sur MMOGA afin de payer vos jeux moins cher et ainsi soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Alors, let's go Pépito. On s'était retrouvé dans cet endroit des plus lugubres. Il va falloir faire attention à tous les humanoïdes là qui veulent notre peau. Ça avait l'air d'être des endroits où les gens faisaient dodo. Je vais essayer un petit peu de me réapprivoiser les touches petit à petit. Voilà, ne m'en voulez pas si je bug à certains moments. Je vais essayer de voir ce qu'il y a à faire par ici. Alors, utilitaire corrompu. Mince. Audio, on s'en fiche. Partager. Personnel à l'aide. Et t'es encore là? Oula, oula, attendez. Mon truc, il a vibré. Pourquoi là? Non, ça va, c'est juste qu'il y a des humanoïdes derrière. Bon, il n'y a rien à voir par ici, donc on se casse les copains. On va essayer de pas se faire choper, parce que franchement, il y a des fois où je me demande si c'est pas mieux de se faire d'essayer d'échapper à l'alien plutôt qu'à ces humanoïdes de MERDE. Hein. Voilà, on va se le dire. Allez, c'est bon, pour l'instant j'arrive toujours à jouer plus ou moins. C'est dans les moments de panique où il va falloir courir partout ou se protéger. Quoi? T'es où? T'es qui? Oh putain, mais il était juste en face de moi, mais voilà, qu'est-ce que je vous disais. Mais qu'est-ce que je vous disais. On n'est pas obligé d'en arriver là, mais c'est vous qui me forcez à... Eh oh, dis donc. Comment ça, dites donc. C'est vous qui m'agressez, hein, monsieur. On va tenter de s'enfuir, même si je ne sais pas par où. Punaise, je sais pas par où je dois aller. Ne courez pas, ne courez pas. Oh. Et vous n'agressez pas les gens sans raison. Ok, par là, on peut pas. Putain. Et attendez, c'est peut-être pas mieux si je mets une petite lampe torche là sur ma tronche de cake. Ma patience a des limites. Et la mienne, est-ce qu'elle n'a pas des limites? J'en ai marre de me faire courser par des humanoïdes qui veulent me buter. Ouais, déjà je te demande pas de comprendre ce que je suis en train de faire, je te demande de me laisser en paix en fait. Ok, donc... Je reprends le jeu en étant dans un cul-de-sac. Mais lui, il va me lâcher la grappe, hein, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tu me laisses. Vite, vite. Mais par où je vais, moi? Par là. Vite. Ah, mais pourquoi j'arrive pas à monter? Mais non, mais... C'est pas possible. La reprise, la reprise. Pour l'instant... C'est pas la solution, mais... Oh. C'est vous qui m'agressez déjà, hein, je vous le dis. Ok, je suis paumée pour l'instant. Je sais pas où je dois aller. Ah, là! Il me dit je crois qu'on va pas s'entendre alors qu'il m'agresse carrément. Merde, j'ai plus de piles dans ma lampe torche du coup. Il m'a gonflé lui hein. Merde, c'est pas par là. Oh, je peux pas sauter, je peux pas sauter. Où c'est que je vais? Je peux pas sauter. Bon bah allez, go se faire étrangler. C'est pas possible hein. Je vais finir par clamser alors que je viens juste de reprendre. Allez, allez, go, 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 go. Putain, en plus, j'ai plus de piles pour ma lampe torche, du coup, je vois pas spécialement où je vais. Il y a quelque chose à faire par ici, non? Ah, j'ai entendu quelque chose là. Ah oh, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, go! Tu vas te faire choper. Je vais vous attraper. Bah, cours toujours, mon petit pote. Allez, hop! Nous, on est embarqué. Juste une petite chose. J'aimerais bien. Voilà, un petit medikit. C'est bon ou pas? Ah, voilà. Ok, ça va un petit peu mieux. Allez, c'est reparti pour les emmerdes. Ouvrons le conduit. Putain, ça va sentir les embrouilles, hein, les copains, je vous le dis.
Non, non, non. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Attends, on avait... Ah ouais, un lance-flamme. On va garder le lance-flamme, hein, pour cette roue-juc. Ok, donc là, je sais pas où on est. On va aller voir au terminal s'il n'y a pas un petit truc à faire. Utilitaire, y'a rien. Audio, une sorte de parasite. Partager à personnel confisqué. Ok, on s'en fiche. On s'en fiche. Waouh, c'est trop beau. Oh, j'adore toujours autant les graphismes de ce jeu. Les cassettes audio, j'en ai pas une grande utilité à chaque fois. Ok, ici, y a rien à faire. Non. Ici non plus. Ok, je vérifie quand même chaque recoin, histoire de rien manquer quand même. Quoi? Ah, mais c'est dans le bureau, ça y est, on a fini par atteindre le bureau. Y avait pas des humanoïdes qui ont tué tout le monde ici? Un truc pour sauvegarder. Oh merde. Oh merde. Putain, c'est horrible. Sauvegarder la partie. Bon, il n'y avait pas écrit ennemi à proximité, ça se fait plaisir. Mais bon, tout de même. Ok, je sauvegarde. Ils sont vraiment pas... Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont vraiment déconné ces humanoïdes là, tuer tout le monde. T'es amical ou pas, mon pote? J'ai un lance-flamme. Hein. Rip. Rip et... Ils sont tous morts. Les androïdes les ont massacrés. Pourquoi, putain? Pourquoi? Je sais rien. Peine. Mais Samuels doit le savoir. Samuels? Pourquoi? Waits lui a demandé d'accéder à Apollo. Il faut que je le trouve. T'as vu Taylor ou Marlowe? Non, non. Ils sont pas ici. Très bien. Ricardo? Ricardo, si je pars à la recherche de Samuels, tu peux gérer cet endroit? Tu seras mes yeux et mes oreilles. Hors de question que je reste ici. Ricardo, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux t'occuper de la station et assurer mes arrières? Ricardo! Allez, ouais. Dis-moi oui. Bien sûr, pas de problème. Reste ici, verrouille les portes et laisse entrer personne. Occupe-toi de me guider. Je reviendrai te chercher. Bon, bah let's go faire tout le travail, encore une fois. Hein. Trouver Samuels dans Sixon Synthetics. Super, Synthetics, c'est l'endroit où ils fabriquent les androïdes, c'est ça? Je suis, comme qui dirait, légèrement ravie. Emprunter le transit jusqu'à la tour Simed. Ok, je devrais pas être très très loin. Merde. Je crois qu'il m'a pas vu. Ouais, c'est une petite séance de sport. On va essayer de passer incognito. Oh merde, il m'a vu, ça y est. Bon bah c'est parti. On va retrouver notre porte de sortie, les gars. Science a des limites. Il commence à me gonfler, On est pas obligé d'arriver là. C'est quand même un truc de fou, hein. Ce n'est pas la solution. Bon, laissez partir, monsieur. Je cherche juste la porte sortie, moi. C'est ça? Ouais, yes. Je vais vous attraper. Oui, ben, cours toujours, mon pote, cours toujours. Putain, c'est où que ça s'ouvre, là? Au secours? Ah, là-bas. Le type qui dit je veux vous aider, je veux votre bien. En vous tuant, mais je veux votre bien. Ah, ok. Ok, peut-être par là. Je sais pas du tout où je vais. Si je regardais ma map un petit peu plus souvent. Ok, je vais pas du tout dans la bonne direction là. Hein. Ouais, salut mon pote. Non, non, je viens ici si j'ai envie de venir ici, ok? Peut-être par là. Ouais. Allez, c'est bon, on y est presque. Ok, on y est presque. Oh, un truc de sauvegarde. Allez, ça fait toujours plaisir. On va essayer juste de ne pas se faire tabasser la gueule en plein, plein moment de sauvegarde. Et on est reparti. Allez, on appelle. Et pendant qu'on l'appelle, on se cache. Il est où ce trou duc? Moi je l'ai vu descendre des escaliers. C'est lui qu'il fallait que j'appelle au moins? Ouais, c'est lui. T'imagines, tu me cours? Il est où? Il est là-bas. On ne voit pas. Ceci est une violation. Oh, wow. Mais c'est pas possible! En plus, à quel moment tu dis laissez-moi vous aider en étranglant les gens? Non, 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 mais non. Ça je comprends pas. Hein. Ça, c'est non. Hein. Oh! Allez, il arrive en quelle année, ce truc-là? On va le gonfler, lui. Hein. Wow, wow, wow.
Allez, go, ouvre-toi, putain. C'est quoi, la dixième fois depuis que j'ai commencé à tourner? À peu près, hein. Allez, go, 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 go. Culé, va, putain. C'est pas possible, ça. J'ai obtenu un trophée, confinement du danger. J'ai pas été très confiné. Beaucoup étranglé, ouais, mais confiné, non. Ok. Je vais me fabriquer un petit medikit parce que là, j'avoue que ma santé, c'est pas ouf à cause de ces connards. Enfin, je vais pas le fabriquer, je vais juste le prendre. Hop là, ça fait toujours du bien. Et je reprends le lance-flamme. Voilà. Cette station dessert la maison médicale Saint-Cristobal et Sixon Synthetics. Tu me reçois ? Ouais, je suis là. J'ai l'impression que les ordinateurs des étages supérieurs de Sixon Synthetics sont actifs. Rip, je sais pas si j'y arriverai. Ricardo, il faut que tu te concentres. Mais oui, t'inquiète pas. T'es responsable maintenant. Responsable ? Responsable de quoi ? Une salle pleine de cadavres ? C'est la merde. J'avoue. Concentre-toi, Ricardo. Si Samuel s'arrive à consulter Apollo, il pourra calmer les androïdes. On en aura enfin fini. Allez, on va regarder par où il faut aller. Trouver Samuels. Ok, donc il y a 0 indice là. Faut vraiment que je cherche par moi-même. Ok. Donc je vais juste chercher partout où je peux. Pas d'autre alternative possible, madame. Ça c'est quoi? Accéder au reboutage. Prendre l'ascenseur vers Sixon Synthetic. Putain, j'ai pas pris le bon ascenseur, ça recommence. Ça recommence, j'ai pas pris le bon ascenseur. Putain, je fais n'importe quoi, c'est pour ça que j'ai pas d'objectif. Non mais il y a tellement d'ascenseurs aussi que comment je sais? Destination Engineer Deck, Solomon Habitation Tower. Et l'autre, Lorenz Sistek Spire. Oh là là. Bon ben, on se retrouve... Ah, peut-être pas en fait, attendez. Si je vais tout droit là-bas, ça mène où? Là où je dois aller. Attendez, je me suis peut-être pas tant gouré que ça. Il y a peut-être un autre ascenseur à prendre là-bas. Moi je dis ça se tente, les amis. Ouais, c'est bon. En fait, je crois pas que je me suis gouré. Il y a juste un autre ascenseur à prendre, mais pas au même endroit. Je suis désolée si je mets pas toutes les deux secondes, mais vu qu'il n'y a pas de minimap en bas pour pouvoir m'indiquer le bon chemin. Ok, ça devrait être ici, ouais, c'est bon. Ok, allez, on va vers Sixon Synthetics. C'est parti, Samuels, on va te retrouver. Ok, on est arrivé. Merde, c'est quoi ça? Ripley, il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. On dirait que les synthétiques de Sixon n'apprécient pas trop que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiner. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le coin qui mène à la cage d'ascenseur. Mais c'est affreux. Mais ils sont vraiment... Ils sont pas humains, ces robots là. Enfin, je sais qu'ils sont pas humains, mais bon. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ce pauvre petit monsieur là? Oh là là. C'est affreux, affreux. Oh, j'ai pas d'autres mots. Ok, j'étais un petit peu perturbée par ça. Faut que je fasse quoi? Escalader la cage d'ascenseur jusqu'au labo supérieur. Ok. Techniquement, je dois aller par là, c'est ça? Ah non. C'est ici la cage d'ascenseur? Bah non. Ok, je vais tenter de suivre mon petit bonhomme de chemin. On verra bien ce qu'on verra bien. Pour l'instant, pas de robot ici, on dirait. Donc c'est plutôt bon signe. Après, on n'est pas à l'abri de... Oh my god. Ils ont tué tout le monde. Ils ont tué tout le monde, ces enfoirés. Vous voyez ça? Oh, on est déjà venu ici. Alors ici, c'est peut-être moi qui ai tué tout le monde, en fait, finalement. Sauf lui. Ouais, j'avais tiré par là. J'avais tué une fille et un gars. Ouais, donc autant pour moi. C'était ma faute. Est-ce que je pourrais monter tout là-haut? Comment je peux monter là-haut? Attendez. J'avais pas vu qu'il y avait un étage supplémentaire au-dessus de celui-là. Alors, comment je monte ici?
Ok, il doit y avoir peut-être un chemin à prendre pour être au-dessus de ça. Non, ici je suis déjà allée. Là-bas. Ah! Attendez, faut peut-être la défoncer. Utiliser la torche à plasma. Eh ben, il m'en aura fallu du temps pour trouver la solution, sérieux. Ok. Taper le mot de passe. Je vais regarder là-dedans, mais j'ai pas vu de mot de passe, madame. Hein. Ah si, 83-82. Autant pour moi. Alors, tapons 83-82, voir si ça marche. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, j'espère qu'on va pouvoir se rendre là où j'ai envie qu'on se rende. Ok, ça, je peux pas grimper. Putain, et ma lampe qui est morte, c'est incroyable ça. Attendez, comment je fais déjà? Je vais prendre le lance-flamme. Voilà. On nous fait un petit peu de lumière comme ça. Oh bon bah... Je suis déjà arrivée. Oh là! Je sais pas si c'est par là que je voulais arriver, mais... Mon tort. J'ai le souffle coupé. Alors que c'est pas moi qui traverse. Alors imaginez si c'est moi qui dois vraiment traverser. Je crois que je serai en PLS. Hein. Voilà, qu'on se le dise. Ok, je suis arrivée où? Oula, oula. Oula, il y a tout qui tremble là. Oula là, vite. Oh, vite. Oh non. Oh, quoi? Vas-y, escalade, je t'en supplie. Oh, purée de pommes de terre. Eh ben, mon tort. On l'a échappé belle. Et je vais où maintenant? Ah, monter. Allez, vas-y, replay. Ok, je suis sur la bonne voie, là, non? Punaise de punaise, alors. Allez, on s'éclaire avec notre petit lance-flamme. J'espère que je vais finir par retrouver mon pote, quand même. Je sais pas par où je dois aller. J'emprunte un chemin qui est sûrement pas le bon. Allez, vas-y. Quoi? C'est fermé? Ah. Ok, il y a des morts partout, tout va bien. Apparemment, il n'y a pas de robots dans cette zone, donc ça va. Il n'y a rien à faire avec ces petites machines-là? Non. On va faire attention, parce que des fois, ils sont pas trop morts, ces trucs-là. Et ils vous chopent la guibole. Genre, lui, il va me choper la guibole, vous allez voir. Cours. Voilà, je savais. Je savais, mais j'ai pas eu peur. Voilà. Voilà. T'as voulu me faire un petit effet du... Non. J'ai pas eu peur, madame. Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Ouais, c'est bizarre. Il y a que des synthétiques. Oh merde. Flippant, toi. Hein. On va sauvegarder ennemis proches. Ouais, bah je les ai vus, les ennemis, si c'est eux, j'ai pas trop de soucis à me faire, hein. Okay. C'est vraiment très lugubre. Hein. Allez, on va tenter d'avancer. En espérant qu'il n'y en ait plus des vivants. Mais je sens quand même ma manette qui tremble à quelques reprises. Je vais passer loin de ceux qui sont allongés sur le sol. Putain, si j'avais ma lampe torche, je serais beaucoup plus utile là, tu vois. Ok, il y a quelque chose ici. Toi, me touche pas, hein, c'est clair. Éteindre. Maintenir L2R2 et droite. Merde. Je me suis trompée. Ok, il se passe quoi maintenant? Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, là-bas, il y a un truc. On va aller voir ce que c'est. Cette porte-là est pétée. Je peux pas m'approcher. Ok, déverrouillage de la porte. Putain, il y en a un qui est debout là-bas, mais il est figé, on dirait. Ok, là il y a quelque chose. Éteindre. On va éteindre tous les trucs comme ça. Pas du tout ce que ça va donner. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a un autre truc vert quelque part?
Ouais, il y a ça ici. C'est un petit terminal. Est-ce que tu vas nous aider ou pas, toi? Chambre de reformatage, non. Et audio, non, ça sert à rien. Ok. Il y a quelque chose là. Pile pour la lampe. Mais non, 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 je veux des piles pour la lampe torche, en fait. Mais j'arrive pas à recharger, pourtant, quand j'appuie sur triangle. Ah, si, c'est bon. Ah, si, c'est bon. Oh, yes. Oh, il est resté bloqué, lui. Ok, bon. Allez, on continue notre petite exploration. On aura fallu du temps pour comprendre pour cette lampe torche. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je l'ai déjà déverrouillé. Éteindre, non, il faut le faire. L2, R2. Et c'est parti. Ok, j'en suis à 3. Niveau de confinement pathogène, Omega. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je vais me planquer, hein. Il m'a pas vu, vous croyez? Putain, il est juste là. Il m'a vu. Si je ne vous trouve pas, je ne pourrai pas vous aider. J'ai pas envie que tu m'aides, hein. Je te le dis direct. Merci de pas venir. Putain. J'ai tout mon temps, vous savez. Tant mieux pour toi. C'est fou qu'il me voyait pas. Putain, il me fait peur, hein. Il m'a vu. C'est sûr qu'il m'a vu. Punaise. J'espérais qu'il soit assez teubé, mais non. Ah, peut-être que si. C'est bon, il m'a pas vu. Il y a encore un truc qui cloche ici. Non. Rien du tout qui cloche, monsieur. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ici. Non, 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 il y a personne. Dégage, dégage. Encore du temps gâché pour Sixon. C'est bon, il est sorti, je crois. Ok, on va essayer de sortir de là. On va essayer de pas attirer son attention. Par là, je peux pas du tout passer. Utiliser synthoniseur, si, je peux passer par là, tiens. Ok, y a rien de spécial ici. J'ai vraiment déverrouillé cette salle pour rien. Oh non, je croyais qu'il était revenu. Je comprends pas. Filtrer. Mathieu. Ramasser quoi? Ah! Carburant. Ah ouais, ça peut toujours être utile pour mon lance-flamme. Même si c'est pas du tout utile contre les robots. Ok, donc là, je suis venue dans cette salle pour rien. Bah écoutez, pourquoi pas? J'espère qu'il est loin, le machin. On va essayer de pas faire de bruit. Ok. Putain, il est pas loin. Ok, donc là, il va falloir que je retourne là-bas. Putain, il est juste là. Salut! Je vais devoir y jeter un œil. Suivez-moi, je vous prie. Oh merde, je crois que je pouvais passer. Arrête de me dire de me calmer, toi, hein. Putain, putain, putain de merde. Comment j'y accède au milieu, là? Cette alerte n'est absolument pas autorisée. Mais non, mais c'est pas possible physiquement qu'il me chope à chaque fois, ce n'est pas possible. Putain, je peux pas le cramer, ce con. Ah, ça a pas marché, ça a pas marché. Donc là, à la porte, je peux toujours rien faire, tu vas me dire? Éteindre. Vite, 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 fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Il va me taper. Go, 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 go. Non. Non. Vite. Où ça? Vite, 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 grimpe, grimpe, grimpe. C'est bon. L'accès au transit Apollo est strictement réservé aux cadres synthétiques de Simpson.
Bien, dans ce cas, je vais trouver un moyen de parler à Apollo. Niveau de confinement pathogène, Omega. Ne tue pas Samuel devant moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Ouais. Je suis contente. J'avais peur qu'il tue Samuel devant moi. Tu peux pas te dépêcher un petit peu, ma grande. On va plus avoir de piles encore. Ok, on va tenter de sortir par là. Putain, j'ai plus de batterie pour ma lampe, presque. Ok, c'est pas du tout là où il y avait Samuels, mais bon, utilisez le bouton. Ok. Oh non, encore des androïdes. Il y a une dame qui est morte. Punaise, madame. Ramassez détecteur. Cherchez. Moi, je ramasse tout, hein. On va accéder au terminal, voir s'il y a pas un petit quelque chose à faire. La plupart du temps, ils sont pas très utiles. Rendez-vous, salle d'expo. Ok. Personnel. Le plan de ce soir. Dernière chance. Ok, y a rien de spécial. Là, je sens que ça va être la grosse misère. Mais alors, vraiment la grosse misère, les gars. Regardez tous ces androïdes là. Vous trouvez pas ça extrêmement suspect? Et comme par hasard, c'est là où je vais devoir courir. Vous allez voir, hein. Vite, vite, vite. Pourquoi la porte est fermée? Ah non, ça va. Ils m'ont rien fait. Trouver une issue pour sortir de la salle d'exposition des synthétiques. Ah non, c'est juste une salle d'exposition. Ça va. Ok. Donc, ça, c'est là d'où je viens. Pas traficoté un petit quelque chose par ici. Ça fait bizarre de me retrouver autour de tous ces mecs et qu'ils me fassent pas du mal alors que normalement ils ont juste une envie, c'est de me défoncer. Ok, mais je peux pas revenir en arrière, là, en fait. Pas quelque chose à faire par là. Allez, de retour sur mes pas. Je me suis laissé dire qu'il y avait un truc, voilà, que j'avais loupé. Il me semblait bien. Merci. Donc là, c'est censé avoir déverrouillé la porte. On est d'accord? On est d'accord. J'espère que ça va pas réveiller les androïdes. Waouh! Ça les a réveillés. Ouais, j'ai pas pris rendez-vous, Je suis au courant. Là, je cavale, je sais même pas où je cavale, les gars. Où c'est que je cavale, je sais pas. Quoi? Je les ai déjà semés? Attendez, ouah, y'a un truc pour sauvegarder. Ah, trop cool. Mais il y avait même pas écrit ennemi à proximité. J'ai réussi à les semer en 2 secondes comme ça? Chapeau à moi, ça m'étonne. Tant mieux, hein, d'un autre côté. Attendez, je me plains pas, hein. Ok, medikit, mini UM, il y a plein de trucs qui sont tout prêts déjà. C'est cool, ça c'est quoi? Cocktail Molotov. Ok, petit accès au terminal, qu'est-ce que ça dit par ici? Ok, ça on s'en fiche. Ok, il y avait déjà des problèmes avec la synthétique, déjà, on dirait, à l'époque. Bon, est-ce qu'il y a... Oh, pile pour la lampe torche. Putain, mais c'est génial, il y a tout un tas de petits trucs déjà tout prêts, là. Ok, d'ailleurs, en parlant de medikit, attendez, munitions de revolver, quoi? Oh, à mon avis, ça sent l'ennemi, mais alors vraiment à plein nez, les gars. Parce que pour me donner toutes ces munitions, tous ces medikits et tout, là, c'est vraiment que ça pue. Medikit, on va s'en fabriquer un, déjà. On va s'en fabriquer autant qu'on peut, parce que là, je vais devoir en utiliser un. Et, ah bah, ce sera tout. On va s'en injecter un. Ok, tout va bien. Et on va prendre le taser avec nous, parce que j'ai une petite recharge de taser. On va le recharger, d'ailleurs. C'est au cas où on tombe sur un de ces connards. Ok, j'ai sauvegardé. J'ai chopé tout ce que je pouvais choper. Pile de la lampe torche, c'est bon. Je vais les recharger, au cas où, quand même. C'est bon. Et au moins, je peux en prendre des toutes neuves. Ok, j'ai échappé à ces psychopathes. Je sais plus par où je suis arrivée. Quoi? Punaise, mais il y a vraiment
vraiment beaucoup de trucs à choper. Ok, j'entends du bruit. Il y a aussi mon petit truc là qui s'affole. Ok. Aussi, il y a quelque chose à faire, accéder au reboutage. Oh là. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est moi qui fais ça? Mais j'adore. Je crois que je leur ai fait cramer la tronche comme ça. Ah ouais, ils peuvent plus venir du coup. Oh putain de merde. Comment ça, carte d'acier requise? Oh quoi? Putain, il me faut une carte d'accès magnétique. Vite, vite, vite. Vite. Je suis pas sûre que j'ai pris ce qu'il me fallait là. J'aurais dû mieux fouiller la salle. Quoi? Mais je vais mourir là. Mais je vais mourir en fait. Laissez-moi, je vous en supplie, laissez-moi. Je sais pas du tout où je vais. Oh putain de bordel. Comment ça, épépép? Déjà là, je crois que le taser il va me servir à rien. Waouh, mais laissez-moi passer! Oh punaise. Putain, mais c'est quoi cette dinguerie, les gars? Putain, c'est quoi cette grosse dinguerie là? Ok, là je peux plus passer. Là il me faut une carte d'accès. Putain, mais je la trouve où la carte d'accès en fait? Oh, génial. Et par là je peux pas passer parce qu'il y a du feu. Je cours si je veux. Vous me faites flipper. Putain, non, je me suis mis dans quel genre de merde? Putain, non. Vous savez quoi? Non, stop. Charger la partie. Je vais recommencer la sauvegarde actuelle. Ouais, je peux pas, là. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pas assez tout fouillé, je pense. Donc, non. Je recommence, ça va, on n'est pas très très loin. Je venais juste de sauvegarder. Quoi? Me dites pas qu'ils sont déjà à ma recherche. Non, c'est moi qui fais ce bruit. Pourquoi je fais ce bruit? Ah, la carte d'accès, c'est ça ou pas? Non, c'est une plaque d'identité, mince. Oh! J'ai eu peur du nombre. Ok, donc maintenant, à moi de vraiment tout fouiller comme il faut. Ok, c'est là. Maintenant que je recommence, je vais pouvoir tout resélectionner. Je vois qu'il y a beaucoup de mines IUM, des cocktails Molotov. Alors le feu, je vais pas en avoir besoin, puisque forcément... il va déjà y avoir du feu, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une mine IUM. Ah, je peux pas en récolter d'autres parce que ça va tous électrocuter. Et ensuite, je pourrai leur fracasser la tronche, non pas avec mon taser parce que ça va pas suffire, mais medikit. Ok. D'ailleurs, un petit medikit, s'il vous plaît. Mais du coup, avec ma clé à molette, où je vais pouvoir leur péter la tronche. Je sais plus comment j'utilise la clé à molette. Ah bah comme ça, directement. Ok. Allez, on va espérer que cette fois ce soit la bonne. Je vais juste m'équiper, pardon, de mine IUM. On va accéder au montage. Punaise de punaise. Espérons que cette fois ce soit la bonne. Espérons que j'ai fait les bons choix. Allez, go. On y va, let's go Pépito. Je l'ai peut-être pas lancé au bon moment. Ouais non, là, il aurait fallu attendre qu'ils arrivent. On va attendre qu'ils arrivent. Ça va, j'en ai plusieurs. À moins que ça les effigie sur place et que ça les fasse fondre aussi, hein. Moi, je dis pas non. Sauf si je peux pas traverser les flammes. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Allez, venez. Ok, là c'est bon. Faut que je leur fracasse la tronche. Un autre. Quoi? Ok. J'ai une autre mine s'il faut, hein. Y'a pas d'autre? Aussi là. Et encore un là. Oh
Ok, je me suis gavé, il en reste plus qu'un. Je vais fouiller sur le coffre. Non, toi t'as rien. Toi. Oh, je sais pas. Je sais pas si j'ai chopé la carte magnétique. Ouais, c'est bon. Je l'ai chopé. Allez, let's go. On va aller droit devant, je vois un truc assez suspect. Non. Oh putain, il y en a encore un qui a mes trousses, sérieux? C'est où qu'on sauvegarde? J'entends la boîte à sauvegarde, elle est où? Attendez, il est pas ma... Quoi? Oh, il retourne dans le feu? Et il est un peu taré ce truc, hein? Vas-y, je vais sauvegarder. Et on va se laisser là pour cet épisode. On va se garder de l'aventure pour les prochains épisodes, hein? Et voilà, nous c'est là-dessus qu'on va se laisser. J'espère que la vidéo vous a plu, ça va. Franchement, j'avais peur de plus connaître toutes les touches, d'être un peu perdu dans le jeu, etc. Mais franchement, ça va. Je pense avoir bien retrouvé mon rythme de jeu, même si j'avoue que les androïdes, ils sont vraiment très très tenaces et très difficiles à exterminer. Même si j'ai trouvé une petite technique là, des bombes IUM, j'en ai pas 36 sous la main, mais je saurais me rappeler de cette petite technique. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.